رمضان رمضان Welcome home رمضان أهلا رمضان بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes, toi tu me vois. Tu as une partie de ton corps que tu dois mettre l'accent sur. Cette partie de ton corps, tu ne dois pas la libérer. Tu dois mettre le contrôle sur cette partie de ton corps. Car cette partie de ton corps est capable d'annuler le jeûne des autres parties de ton corps. Cette partie de ton corps est capable de pousser ton esprit à penser à l'interdit. Est capable de pousser ta main à toucher à l'interdit. Est capable de pousser ton pied à aller là où Allah ne veut pas te voir. Cette partie de ton corps a plus de fait, a plus de pouvoir. Ton pouvoir est rapide et son effet sur ton cœur est rapide par rapport à les autres parties de ton corps. Cette partie n'est autre que tes yeux. Il faut faire très attention à ce que tu vois, à ce que tu regardes. Il ne faut pas libérer ton regard sur l'interdit, ce que Allah a interdit à celui qui jeûne, à le jeûneur, surtout à le musulman. Ne regarde pas l'interdit, car ça va te pousser à aller là où tu ne t'entendais même pas arriver. On dit le mauvais regard, le regard interdit pousse l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala vers le pire. Dégrade la valeur d'un homme honorable et honoré, le rabaisse au plus bas niveau. Pourquoi? Parce qu'en regardant l'interdit, il tombe dans ce qui va le pousser dans un déclin et dans un abîme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.